Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Eddie Challenge. Aujourd'hui est un grand jour puisque vous avez voté la dernière fois entre les garçons, nos petits jumeaux Sigismond et Philibert, et aussi pour le futur fiancé de Guenièvre. Guenièvre qui est devenue jeune adulte et qui donc va pouvoir partir de son côté, faire sa vie avec son futur chéri. Et d'ici je vois que c'est très poétique. C'est très beau, le soleil, tout ça. Et puis, un caca qui pue. Yes. Mais je suis en train de me dire, du coup, tu vieillis quand? Ah, dans 9 jours? Sérieux? Je vais pouvoir marier une de mes enfants alors que sa propre mère n'est pas vieille. Et lui, il grandit dans 3 jours. Ah oui, bon. On va pas trop tarder alors, hein. Parce que sinon, ils vont être tout vieux, tout moches. Et ça y est, la future fiancée. Elle ne sait pas encore à qui elle va être... son destin va être lié. Oh, puis il y a des poubelles et tout. Vas-y, c'est le bordel ici. C'est crade, c'est incroyable. Moi non plus, d'ailleurs, j'ai pas encore regardé. Et le fiancé de Guenièvre sera Mathieu. Oui, à 70% des voix. C'est bien ce que je me disais, hein. Mathieu serait le plus apte, plus il était plus beau gosse. Mathieu ce sera. Mes félicitations Guenièvre, j'espère que vous ferez des très beaux enfants. Voilà, il est là Mathieu Sergi, geek et végétarien. Ça va, c'est un seigneur, tranquille quand même. Hein. Bah là, t'es déjà en train de fêter ça, coquine. Oh, aujourd'hui, maman, c'est le jour où je me fiancie. Et bientôt les petits enfants. Tu vas être une vieille mamie, ça va être mort formidable tout ça. Mon petit Sigismond, faudrait peut-être que tu te lèves. Ouais, en pleine forme. Que des beaux gosses. Regardez-moi comment ils sont taillés, quoi. Oh, le rêve. Et Émilie, pareil, elle fait la grasse mat, là. Par contre, je me souviens plus ce que j'ai fait, moi, la dernière fois, pour qu'il se lève aussi tard. Va promener ton chien dégueulasse, là, mon petit Willem. Et lâche-nous la grappe. Ça fera pas de mal. Et ces deux petits mâles, là, beaux comme des dieux, qui n'attendent qu'une chose. Beaux comme des dieux qui n'attendent qu'une chose. Le verdict. Blond ou roux, lequel des deux vous avez choisi? Aïe, aïe, aïe. Franchement, je ne sais pas. Je me dis, peut-être que vous aurez choisi Philibert, parce que roux, yeux verts, ça changerait, ça ferait contraste avec sa sœur blonde, aux yeux verts également. Mais je sais pas, Sigismond, il est quand même beau gosse, quoi. Il est très beau gosse, quoi. Aïe, 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 aïe. C'est une belle fournée cette année, hein, quand même. Alors, lequel des deux avez-vous choisi? Eh bien, vous avez choisi... Philibert, et oui, roux aux yeux verts. Je viens juste voir les résultats, je savais pas avant. Vous avez choisi le contraste avec sa petite... sa grande sœur, pardon. Merci beaucoup à tous ceux qui se seront impliqués, évidemment, dans ces votes. Merci beaucoup d'être toujours là, alors que ça va faire presque 2 ans que le Lord & Eddie est sorti. Ça me fait hyper plaisir, ça me va droit au cœur. C'est bien maintenant, on va marier Guenièvre et trouver un amoureux également pour Millie. Trouver une amoureuse pour Philly. Et puis, bah, pour Sigismond aussi, tant qu'à faire. Ah, encore un beau programme, tout ça. Oh, 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 regarde Mildred. Alors, c'est pas que je veux insister que les blonds et roux, hein. Je sais que c'est mes prefs. Il y a Gauvin Sar qui est là. On va lui parler un petit peu. On va passer du temps ensemble avec lui. En tout cas, tu vas discuter un petit peu avec lui. Willem, il revient avec sa chienne. Et puis, nous avons des ados dépressives également dans le coin. Oula, il y a du monde là, il y a du monde, mais alors Althea, je veux bien que tu dises bonjour à ton futur beau-fils, mais tu vas être lavé parce que... Ah bah non, ah bien, on peut toujours pas la réparer, j'imagine. Ah, mais qui est cette jeune demoiselle à chevelure incroyable? Céline Laura, oh, une fille de noble. Bon, on va pas faire attention à cet air. Elle est un tout petit peu remontée, mais regardez-moi cette belle meuf là. Oh, mamma mia, les beaux yeux, tout ça. Faire connaissance avec cette demoiselle, puisque c'est une fille de noble, donc ça passe complètement hein, dans les critères. On a Mathieu qui est là pour Guenièvre. Et ça a l'air d'être le bardol. Le bardal. Il y a Althea. Bon, bah écoutez, on va replacer, hein, c'est pas grave, et tu vas aller prendre à main ce que tu pues. On a qu'une seule baignoire, c'est l'enfer. Allez, laisse-les tranquilles, les futurs amoureux, là. Il faut qu'ils fassent connaissance et que... voilà, de toute façon, ils ont pas le choix, ils sont obligés de s'entendre et de se marier. Ah, c'est comme ça, la vie, hein. Non, mais il est vraiment mignon, quoi. Moi, je trouve que... Ouais, il pourrait faire des beaux petits bébés, hein. Oh là là. Conversation profonde, t'inquiète. T'inquiète, et puis tu vas sonder, tu vas lui demander s'il est célibre, il a intérêt. Sinon, ben, c'est pas grave. Le MCC est là.
Oh, alors, le petit coup de drague. Oh, mais c'est que ça a l'air de lui plaire, le coquinou. Millie, Millie, non, 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 non. Millie, bouge tes fesses, Millie. Tu vois bien que ta sœur sort le grand jeu. Et ça fonctionne en plus. Mais qu'est-ce que vous faites là, les filles? Mais arrêtez, là, ils sont en pleine parade amoureuse, les deux. Oh, bon, ça a l'air de bien coller, en tout cas. Oh oui, ça a l'air de bien coller. Tout doucement, les enfants, tout doucement. Ils sont pressés à faire des bébés, je crois bien. Mais chaque chose en son temps, et chaque chose à sa place. Mais Willem, il est toujours pas rentré de sa promenade. Il est quand même 19h. Mais rentre à la maison, là, c'est bon, là, c'est quoi ce délire? Rentre chez toi, Willem. Mais ouais, mais tu vas nous claquer dans les pattes dehors, j'aurais même pas remarqué, moi j'étais occupée. Aïe, aïe, aïe. Non mais là, et Althea, elle est partie se taper sa meilleure sieste. N'importe quoi. Oh oui. Oui, oui, oui. C'est bon pour notre petite Althea. Elle atteint le niveau 8 du tricot. C'est parti pour faire les grenouillères à gogo pour ses petits-enfants qui vont pas tarder à arriver. N'est-ce pas, Guenièvre? Oh tiens. Oh merde. Bah c'est l'autre. C'est le prétendant qui a été évincé. Bah désolé, gars. Voilà, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Allez Mathieu, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Demain, on passe aux choses sérieuses. Oh, un chef-d'œuvre pour Willem. Et oui, parce qu'il s'y est remis, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. 1709. Je suis vraiment très contente, tu peux donc m'en refaire. Alors qu'Althea fait sa toute première grenouillère pour bébé. Alors, c'est toi, ça dit quoi? 182 pour Mildred, c'est pas terrible. Et 711 pour Willem. Et nos grands amoureux, ils se sont même pas adressés à la parole de la journée. C'est triste quand même. C'est quand même très triste. Hein, on est d'accord. Et puis un petit peu d'amour, ça fera de mal à personne. Surtout si on a une de nos filles qui va bientôt nous quitter. Du coup, bah, un petit crac-crac, quoi. Hein? Sinon, c'est pas drôle tout ça. Bon matin, Sigismond. Qu'est-ce qu'il est bien taillé, bon sang, bonsoir. Il va voir la chienne? Oh oui. Oh bah super, c'est maintenant que je me rends compte que mon salon de jardin, il est complètement cramé à cause des orages. 3 éléments sur 4, c'est génial. Ah, le retour de Guenièvre et son violon. Elle joue un petit peu. Histoire de surplus. Eh, niveau 6, hein? Une vraie virtuose, celle-ci, hein? Oh! Oh! Mais Mathieu! Mathieu, il va... Oh, dis donc, non, ça commence comme ça, Mathieu. Il est parti directement dans la salle de bain mater la petite Millie qui était en train de se baigner nue. Ah là là, super. Elle va être bien lotie, je crois, encore, notre petite Guenièvre. Hein? Voilà, super. T'as pas honte, Willem, de recevoir les gens habillés en petits vêtements, là? Ton beau-fils, en fait. Ton futur beau-fils. Quelle honte. Ah, cette fois-ci, c'est notre belle Millie qui se met au violon. Et c'est plutôt harmonieux. Ah, c'est sympa. La mélodie est très très cool. Bon, par contre, il va falloir qu'on fasse le tri aussi dans ses futurs hypothétiques chéris. Je vais regarder ça. Oh, regardez! Elle a du public, hein! Ah, par contre, lui, il aime pas le violon. Ah, bah, t'es mal barré, parce que ta future, elle en joue, hein! Quelle bonne nouvelle! Mathieu et Guenièvre sont petits amis! Ça y est! Eh ouais, ça va vite, hein! On peut même demander le mariage alors qu'il n'y a même pas eu de premier baiser. C'est pas notre héritière, mais ce sera une belle jeune fille, heureuse, je l'espère, en amour. Voilà, ça va être beau tout ça. Oh. 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 C'est l'amour. Oh. C'est l'amour véritable. Oh merde! Oh non! Oh, 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 il a refusé! Oh le bâtard! Bon, en même temps, ça va trop vite, je pense aussi. C'est pas grave. Dès qu'il dira oui, on l'enchaîne. Eh? Mais elle est en train de faire la chanson! Prends garde à toi! Ta, 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 ta. L'amour est un enfant de bohème? Sérieux, ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, alors prends garde à toi. Prends garde à toi.
Mon petit Mathieu, tu as refusé sa main si douce. Mais c'est pas grave, nous on sait tous que tu finiras quand même avec elle. Oh pieu. En même temps, c'est ce qu'on dit, hein, que la musique adoucit si les mœurs. C'est Brandy qui est d'accord, et puis Sigismond aussi. Sigismond qui a visiblement le Covid-21. Eh oui. Allez, va, ma petite gueugue. T'inquiète, demain est un autre jour. Demain, tu feras le poisson. Tu feras le petit Mathieu Sergi. Et il sera tien pour le reste de ta vie. En tout cas, on te l'espère. Ma pauvre Anna. Souvent première levée et dernière couchée. Je me sers de toi comme c'est pas humain. Mais bon, hein. Première levée, notre belle Althea. Mais regardez-moi cette ligne. My God, hein. 4 enfants, bon, 3 grossesses. Et une ligne de jeune fille, quoi. Oh là là, beauté, Ivo. Bon, Anna, quand est-ce que tu finis le petit-déj, là, attends dans la dalle. Espèce de feignasse. Oh, oh non. Oh non, Brandy va devenir une vieille chiennasse. Oh non. Brandy a vieilli, elle a atteint l'âge de la dernière partie de sa vie, et désormais une chienne âgée. Comme bientôt, son papou. Ouais, ouais. Mon guenièvre, j'espère que t'es ready parce que ce aujourd'hui là, c'est le jour là. Mathieu Sergi, voilà, tu vas l'appeler tout de suite même. Ouais, on va l'appeler, on va envoyer un pigeon voyageur évidemment. Hein. Et il est là, tu vas t'occuper de lui, hein. Tu vas lui... Oh, une belle jeune fille, attendez, on va aller voir ça. Tu vas raconter une blague et puis bon, tu vas lui rouler quelques patins, hein. Parce que quand, comme même, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Bon. Ça se passe comment? Les amours. Tu veux être désirable. Faut qu'il te désire tellement. Tiens, vous allez devenir meilleurs amis du monde pour que tu puisses le demander en mariage. Ce serait merveilleux, ma gueugue. Hein? Merveilleux. Ah, voilà. Ça, c'est le meilleur ami. Ça passe. Et puis, quoi de mieux que de se marier avec son meilleur ami, quand même? Hein? Allez. Oh, mon Dieu. J'ai peur. Oui! Ah, yips, yips! Oui, cette fois-ci, Léopé. Ah! Nous avons un mariage à préparer, les enfants. Yes. Tiens. Une petite Millie qui se met aussi en chasse. Eh, mais celui-là, on le connaît déjà, c'est Archibald. Ouais, ouais, je pense qu'il va faire partie des choix. Je cherche hein, entre lui et Gauvin, j'ai l'impression, parce que j'en ai pas tant que ça, en fait. J'en ai pas tant que ça. Oh, il est dans le coin. Il est là, Gauvin. Allez, viens, viens lui parler. Il se renseigne sur mon fer crac-crac. Oui. Demande-lui. Il a peut-être une idée sur la question. Ah bah mince, il a aussi les yeux verts, dit. Ah bah ça fera deux mecs aux yeux verts avec une fille aux yeux verts. Bon, bah au moins au niveau des yeux, il n'y aura pas trop de surprises. Ah mince, je voulais vous proposer cette jeune femme, mais malheureusement, elle est déjà jeune adulte. Ah bah zut alors. Bon, elle peut partir au final parce que elle ne fera pas partie des choix. Je veux faire venir Lucie, mais... Ah si, ça y est. Fais venir Lucie. Fais venir Lucie. Ça se jouera entre Lucie et Isabella. Voilà. Une blonde et une châtain. C'est mignon. Et ça marchera bien pour les garçons. Voilà. Je les ai. Elles sont là. Alors, Isabella Samson et également... Lucie Saint-Paul, et oui, ben voilà, hein, comme ça on y vient tout naturellement, côtoyer les Saint-Paul, hein, pour les amoureux du Decades, ça leur parlera évidemment. Et ben vous pourrez choisir pour l'une des deux pour Philibert. Alors ce sera pour Philibert en premier, évidemment, la deuxième ira avec son frère, comme ça au moins j'irai pas chercher plus loin. Isabella Samson, c'est une jolie châtaigne. Elle a des yeux verts. Bon, bah voilà, au niveau des yeux verts, voilà, pourquoi pas. Elle est très mignonne, hein. Elle est très très mignonne. Et elle a déjà envie de fuir Lucie Saint-Paul. Mais c'est incroyable parce qu'elle se ressemble énormément à Joséphine. Alors peut-être parce que c'est directement la fille de Joséphine du Decades, mais que j'ai inclus également de le Lord of the Rings. Mais en tout cas, c'est très bluffant. On pourrait vraiment dire que les Saint-Paul vont venir des deux Saint-Paul. Et que cette jeune fille et Philibert pourraient être destinés pour créer Joséphine. Et ouais, on sait pas. En tout cas, cette jolie Lucie est aussi... proposé pour la future fiancée de notre joli Philibert. Et je vais vous dire tout de suite leur trait. Ah, bah c'était pas prévu. Elle est
toujours en train de parler avec Archibald et regardez qui est là, c'est Gauvin, mais c'est génial. Et bien vous savez quoi, encore une fois aujourd'hui vous aurez double vote, hein. Le vote pour les garçons, bah triple du coup, hein, j'ai envie de dire. Et le vote pour la petite, la jolie Mildred. Bon bah elle c'est blond ou roux, hein. Désolée pour ceux qui voulaient du brun, j'en ai pas dans mon stock. Je n'en ai pas rencontré, ou alors ils sont pas terribles. Voilà, et en vrai, j'en ai juste pas rencontré. Alors, il y a Sandor, il est très beau, mais c'est le cousin, donc ça marche pas trop. Et Archibald et Gauvin sont disponibles. Ils sont tous les deux, je crois, ouais, Sanson et Sar. Ils sont tous les deux fils de seigneur également, donc parfait pour notre petite Mildred. Donc, je vous remontre un peu Archibald, blond aux yeux verts. Il a des grands yeux qui... Il est en train de manger Mildred du regard. Plutôt beau gosse. Et Gauvin, voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt mignon aussi, bon, avec les yeux verts. Ils ont tous les deux les yeux verts, de toute façon, comme ça, c'est fait. L'un est un peu plus bronzé que l'autre, l'autre, l'un est blond, l'autre est roux. Et au niveau des traits, je vais vous le dire également. Archibald, il est génie, perfectionniste et joyeux. C'est bien, c'est pas mal du tout, c'est trois bons traits. Et Gauvin, il est snob. Écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. En tout cas, à vous de voir. Le sondage est bien sûr dans le commentaire épinglé avec le second sondage pour Philibert. Pour Philibert, c'est Isabella Sanson. Elle est donc... Attends, ça bouge. Elle est active pour l'instant. On ne sait que ce trait-là. Et pour Lucie, elle est imprévisible. Ah bah dis donc. Et il a... Ah, alors, Lucie est imprévisible et adore la nature. Bon, et ben voilà, vous pourrez faire votre choix, allez à Jactaes. Adin, quitte à être là, tu peux ramener le thé? Feignasse, casse-toi, on va pas te parler. Tu ne côtoies pas la haute société. Oh là là. Ah ma fille, bientôt tu seras engrossée et tu mettras au monde notre premier petit enfant. Alors, il faut que je t'enseigne quelques rudiments de tricot. Ouais, ça va, tu te démerdes. Et une petite œuvre d'art en plus pour Wilhelm à 2725, mais oui, mais quel pied. Et 154, Wilhelm on fire. Un peu d'occupation nocturne pour nos deux... Eh ben, nos deux finalistes, wesh, en fait, je viens de capter, là. Oh, mais oui, c'est même pas fait exprès. Mildred versus Philibert. Oh là là. La grande finale pour la génération senior se déroulera entre deux. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, les votes. Je vous laisse le temps de digérer et de vous décider tranquillement. Parce que je sais que c'est compliqué parfois. Et c'est alors que le sommeil règne sur le foyer. À part pour Brandy. Que moi, je vais vous quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça y est, on se rapproche de la toute dernière génération, la génération senior. Génération qui clôturera ce Lord and Lady Challenge. Alors je vous remercie d'autant plus d'être encore là à l'heure actuelle pour le regarder, pour voter et puis vous m'aider à m'accrocher. J'irai jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. Les votes, c'est dans le commentaire épinglé et on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir sur Lord and Lady et sur autre chose. Je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, ciao.